Bonjour, je m'appelle Marine, je suis vendeuse en salle d'exposition dans le domaine du sanitaire. Alors, mon métier il consiste donc à recevoir des clients. On leur fait une première proposition en salle d'exposition en fonction de ce qu'ils auront choisi. Et pour les aider à bien visualiser, parce que c'est jamais simple, on leur fait des plans 3D qui leur permettent effectivement de visualiser leur projet final. La journée type, c'est on arrive le matin, on vérifie que tous les dossiers de la veille se soient bien passés, qu'on n'ait pas le retour fournisseur, on fait le tour de notre salle d'exposition, voir si tout est propre, on accueille le client et on prend du temps avec eux pour étudier leur projet de vie. Ce qui me plaît dans mon travail, c'est la satisfaction client avant tout, et des projets qui sont les plus compliqués sont souvent les plus passionnants. Je suis vraiment rentrée là-dedans pour ce côté humain et vouloir en fait apporter quelque chose. On accompagne toute la famille. C'est cet accompagnement-là sur la durabilité du projet qui m'intéressait. Aucun jour ne se ressemble, aucun projet ne se ressemble, aucune personnalité de nos clients se ressemble. Et le remerciement est juste quelquefois magique. Mon métier contribue à la transition écologique de plusieurs façons, sur des locaux équipés de panneaux solaires, sur des rassemblements au niveau de la centrale d'achat et sur des produits qui respectent l'environnement. Et ce qu'on explique surtout aux clients, c'est que quelquefois un produit qui est peu cher, il y a des raisons. S'ils veulent vraiment créer l'impact sur la transition écologique, il va falloir faire de la montée en gamme. Donc moi j'ai un parcours assez atypique, j'ai un CAP fleuriste dans les mains, j'ai travaillé donc dans la grande distribution et passé donc un CQP avec la grande distribution. Et maintenant je suis donc vendeuse en salle d'exposition sanitaire, c'est un métier auquel on est formé sans arrêt avec nos fournisseurs, donc finalement c'est vraiment un métier qu'on apprend sur le tas. Alors sur l'évolution aujourd'hui je suis vraiment très très bien au niveau de mon poste. Après, effectivement, si demain on me dit que j'ai possibilité d'évoluer sur des postes effectivement à responsabilité, ce serait, oui, un beau challenge à relever.